Aux États-Unis, les tensions entre la police et les manifestants sont élevées. Des manifestations contre les violences policières ont éclaté ce week-end à travers le pays. Les trois principales manifestations ont lieu à Portland, dans l'Oregon, à Chicago, à Brooklyn Center et à Minneapolis. Elles ont eu lieu en réaction aux autres fusillades de la police et aussi avant le verdict dans le procès de Derek Chauvin, un policier blanc accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. La police de l'État américain du Wisconsin dit avoir arrêté un suspect après une fusillade mortelle dans un bar. L'attaque dans le comté de Kenosha a fait 3 morts et 3 blessés. Les autorités affirment que le tireur présumé fait face à une accusation d'homicide intentionnel au premier degré, avec d'autres actes d'accusation possibles à suivre. Il s'agit de la dernière d'une série de fusillades de masse aux États-Unis cette année, avec au moins 45 cas le mois dernier seulement, tel que rapporté par CNN.